Dans les colonnes du Figaro, le 4 février 2024, Hiromi Rollin, qui a assuré avoir formé un couple avec Alain Delon, est sorti du silence. Alors qu'elle ne vit plus à Douchy avec le comédien, elle est revenue sur la nature de leur relation. L'affaire Alain Delon ne cesse de faire couler beaucoup d'encre. Depuis quelques semaines, ces trois enfants s'affrontent autour de l'état de leur père. Seulement, quelques mois plus tôt, ils s'étaient tous les deux liés contre Hiromi Rollin, qu'ils considèrent comme la dame de compagnie de l'acteur âgé de 88 ans. Ils avaient déposé plainte contre elle pour mauvais traitement. Alors qu'elle a été exclue de Douchy, où elle vivait avec Alain Delon, elle est sortie du silence dans les colonnes du Figaro, le 4 février 2024. Hiromi Rollin a expliqué ne toujours pas comprendre comment elle a pu être accusée de ces choses. Tout le monde sait qu'Alain aime le calme et la tranquillité, si est-il un solitaire. Ce pseudo-enfermement résultait d'un choix de sa part. Surtout, depuis son AVC, Alain était diminué et ne voulait pas qu'on le voie. Il ne faut pas oublier que la période de Covid a duré près de 2 ans et qu'à ce moment-là, personne ne venait nous voir à l'exception d'un proche d'Alain, a-t-elle ainsi déclaré. Autre incompréhension, la manière dont les enfants d'Alain Delon l'ont décrite. Selon elle, il savait très bien qu'elle n'était pas sa dame de compagnie. Anouchka et Alain Fabien nous ont vus agir en tant que couple, nous dormions dans le même lit, ils connaissaient la nature de notre relation. Je me sens blessé par ce terme qui nie ce qu'Alain et moi avons vécu. Nous étions véritablement un couple amoureux, a-t-elle encore lancé, particulièrement meurtrie par toute cette affaire. Hiromi Rollin, mon souhait est donc évidemment de reprendre notre vie d'avant aujourd'hui. Si la plainte dont elle était la cible a été classée sans suite, elle ne souhaite pas en rester là sur le plan juridique. Je veux récupérer les affaires qui m'ont été volées par les enfants. À ce jour, un tiers de mes affaires ne m'a pas été restitué, dont des vêtements, des bijoux, de l'argenterie et surtout des courriers intimes et des papiers administratifs importants. Mais Hiromi Rollin aimerait également retrouver Alain Delon. Elle a la sensation qu'il a besoin de lui. Les enfants m'ont expulsé de la vie d'Alain et je veux le retrouver. Alain était heureux avec moi, désormais il se meurt. Mon souhait est donc évidemment de reprendre notre vie d'avant. Si ces enfants aiment leur père, s'ils pensent à son bonheur, ils doivent nous laisser reprendre notre vie, a-t-elle conclu sur le sujet.